On est sur Minecraft, comme vous pourrez le remarquer, à votre écran, les gars, tout simplement. Donc, on va continuer notre aventure, les gars, tout simplement. Donc, dans la dernière vidéo, ce qui s'était passé, c'est qu'on était mort au village, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le jour avant d'y retourner, les gars, tout simplement. Donc, en attendant le jour, on va retourner dans ma maison. Parce qu'il y a un peu des zombies partout, en fait. Voilà, ouais, il faut vraiment que je rentre. Bon, il y a ça, là, il y a des trucs. J'ai récupéré ça, mais j'ai pas d'armes. Salut, mec. D'où il rentre? Aïe. Sors de chez moi! Non, non, il faut pas que je mange ça. Ok, bon, on va attendre que ce soit le jour et on va aller récupérer tout simplement notre stuff, les gars. Je peux plus monter à l'étage, malheureusement. Oh mec, la flèche. C'est quoi ça là? C'est un mouton qui fait tous tes stas tous. Oh mec, oh dans le cœur la flèche. Ok, je vais clairement crever. Coucou, Mr. Freeze. Non mais genre. On prend une flèche sinon, donc je pense que... C'est un peu dangereux ce que je fais parce que pareil s'il y a un squelette. Bon alors elle en est où la nuit là? Elle est où la lune? Oh non, me dis pas qu'elle est au-dessus de ma maison gros, sinon je vais péter un câble. Ok. Bon ben voilà, je suis mort, hein, écoutez. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ouah, trop bien, je suis atterri sur un arbre. Ça c'est cool ça. Vous savez quoi, on va passer par les arbres et du coup je suis en sécurité. C'est le seul endroit où je suis en sécurité. Ben en fait je suis tombé. Malheureusement, donc... Putain, il me faudrait vraiment un nouveau jacket là, parce que là, pour le coup... Là, on est un peu dans le caca en fait. Salut, petit mouton. Mec, c'est sérieux. Je suis vraiment bloqué, les gars. Bon, les gars, du coup, voilà. Les gars aussi, je voulais vous parler que demain, c'est mon anniversaire, et du coup, j'aimerais qu'on passe... au début, je voulais au moins les 750 abonnés, mais en fait, je me suis dit non, ça serait pas possible. Donc, au moins les 720 abonnés, les gars, ça ferait extrêmement plaisir que jusqu'à demain, on atteigne les 720 abonnés. Ça serait vraiment cool, les gars, tout simplement. Donc, voilà, s'il vous plaît, essayez de le faire pour moi, les gars, pour mon anniversaire, les gars, tout simplement. Et d'ailleurs, aussi, je voulais vous dire que pour les 1000 abonnés, je prépare un gros truc, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Petite information. Alors, je me souviens qu'en haut, il y a un ennemi. Mais gros. Mais what? Pourquoi il y en a autant? L'esquive, mec, l'esquive. D'où il y en a? Aïe. Ok les gars, tout simplement, là on est bien les gars, tout simplement, là on est bien. Ok les gars, désolé, du coup, il y a... What, mais j'ai perdu ma stuff. Mais attends, mais elle est où ma hache et tout ça? Ah mais ils sont là, putain, je vais... Donc du coup, ils sont en bas les gars, on va vraiment attendre que ce soit le jour. Et pourquoi il y a du charbon là? Je l'ai mis dans mon four à la base, le charbon. Mais j'ai pas tout mis. Ok. On va se trier l'inventaire tout simplement les gars. Hop. Hop. Ok, là on a fait un truc bien parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'essaie
de récupérer mon stuff. Ok, clairement ils sont en bas. Hein. Il y en a un en bas qui était dans le bâtiment. Et on va dormir, hein, les gars. Je sais même pas, j'attends quoi pour dormir. Donc souvenez-vous, la dernière fois, on avait réussi à rentrer dans la base. Tout simplement. Et voilà, et du coup là, on est tranquillement là. Parce que j'en ai pas encore besoin. Ok, donc c'est parti du coup, les gars. On va descendre directement pour aller buter lui. Quand tu te mets en sneak, oui, c'est vrai. Quand on se met en sneak. Donc il est là, je crois. Ah non, il est tombé, ok, il est parti en fait. Salut mec. Moi aussi j'ai un arc. Attendez les gars, regardez, on va essayer de faire un truc. Ils veulent pas tirer, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas besoin. Ils sont tous en dessous. Ok. Il y en a vraiment énormément, je crois. Hein. Vraiment, il y en a énormément. Allez, il y en a un qui sort ou pas? Wow! Mais mec, mais c'est une blague, mais il y en a vraiment trop là. Oh! Oh mec, la chance! Mec, je réapparais là du coup, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, maintenant c'est ma base du coup, maintenant je réapparais sur le lit tranquillement. Oh mec, oh non. Je veux voir un truc, les gars. Si je vais chercher mon truc de citrouille, est-ce qu'ils vont avoir peur de moi? Petite question que je me pose, parce qu'avec les mobs ça marche. Et logiquement, ça c'est. C'est pas vraiment des mobs, mais c'est entre guillemets des mobs. Des mobs, pardon. Non, je veux la mettre sur ma tête, moi. Voilà, parfait. Est-ce que là, vous pensez qu'ils auront peur de moi? Parce que logiquement, les citrouilles, ça sert à ça. C'est en fait faire peur aux monstres pour pas qu'ils viennent. Donc est-ce que là. Eh ben non, ça marche pas du tout. Ils ont pas du tout peur de moi. Allez, ciao, ça m'a mis sous le gros. Mais gros, c'est une blague. Mec, je vais réapparaître pendant combien de temps, les gars? Là, j'ai même perdu ma citrouille. Et j'ai plus rien pour me défendre. Ok, on va essayer de faire une technique que j'ai nommée la technique du bois. Qui est tout simplement. La technique, en fait, vous voyez, elle consiste en. En fait, je vais vous expliquer c'est quoi la technique, les gars. Tout simplement, la technique, elle consiste en fabriquer une épée en fer et à les défoncer. Voilà, c'est ça la technique, les gars. Mais est-ce que j'ai du bois? Oui. Est-ce que j'ai du fer? Oui. Des petits bâtons, tout simplement. Et on va se créer une épée en métal, bien pour les faire faire mal, en fait. Hop. Voilà. Oh, le reste, on peut remettre dans notre petit coffre de BG. Et hop, voilà. Maintenant qu'on a une épée qui fait très 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 mal, on va pouvoir bien les défoncer. Regarde bien comment on va les défoncer. Regarde. On attend qu'il y en ait. Regarde bien. À l'aide. Je veux du couscous. Passez-moi du couscous s'il vous plaît. Je veux du couscous. What? Mec, c'est une vague, il y en a combien? Ok, un mort. Oh, j'ai une arbalète, gros. J'ai une arbalète, les gars. Ok. Là, par contre, ce qui est hyper bien, c'est que comme je suis allé là-bas, vous voyez, les gars, ils sont tous là-bas. Donc, du coup, je pourrais directement récupérer mon stuff. Mais par contre, il y avait une arbalète. D'où il est resté là, lui? À l'aide. Mec, j'ai trop peur. Ok, on repasse notre stuff. Mec, j'ai trop peur. On place notre stuff. Mec, j'ai perdu ma bouffe et tout ça, gros. C'est une blague. Ok, là, ils sont là, du coup. Mais il y a encore du stuff, là-bas. Et je vais mourir.
Et les gars, vous venez ou pas? Oh, je l'ai. Mec, je me suis suicidé. Mec, c'est une blague, je me suis suicidé. What the fuck, gros? Mec, je me suis suicidé, gros, non. C'est sérieux ou quoi? Mec, je me suis vraiment suicidé là. Tu sais qu'en deux coups avec des flèches, je les meurs. Je les tue, sauf que j'ai plus mon arc. Ok, mort. Ok, j'en ai. Je fais que de les buter là. Là, je suis le king là. Mort. Je cherche mon stuff qui est là-bas. Oh, le joueur français qui est très déterminé. Oh mec, elle est où mon épée en fer? En fer, me dis pas qu'ils l'ont pris. Toi, c'est toi qui l'as pris mon épée en fer. Gros mec, mon épée en fer, elle est où? Elle est là. Yes. Hop, c'est bon. Là, mec, je vais tous les buter un par un. Je vais bouffer du poulet. Mec, il faut que je bouffe du poulet, gros. Mais je suis mort, gros. C'est une blague. Il y en a un seul, gros. Il fallait que je meure par lui. Et putain, en plus, ils sont à côté. Mais d'où il spawn là, lui? Mais attends, mais il est où, le spawner de... Me dis pas que c'est la bannière. Sinon, gros, je vais péter un plomb. De toute manière, ça sert à rien, gros. Je vais te buter au bout d'un moment, gros, parce que je spawn là-haut. Hein. Donc, gros, dans tous les cas, je vais finir par te buter. Tu vas te calmer en fait. Regarde, hop, je suis là. Regarde, t'es prêt, mec? Regarde juste. Ok, parcours du combattant. Regarde bien. Ok, parcours du combattant. Ok, parcours. Ok, chut. Fallait juste que je récupère ça, mec, mais maintenant vous êtes mort. Mec, c'est une... Mais mec, mais gros, mais tu sais quoi, les gars? Oh, allez, on va partir. Parce que là, c'est vraiment très saoulant. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout notre stuff, vous voyez, et qu'on va directement partir d'ici parce que c'est vraiment trop impossible. Gros, c'est bien, mais en même temps, gros, c'est impossible. On va... Vous savez quoi, les gars, on va partir, voilà. Au revoir. Ouais, mais là, non. Putain, j'ai même plus ma pioche. Comment tu veux que je... Bon, tu sais quoi, on prend pas le four, malheureusement. On s'en refabriquera un. Hop, on prend tout, hein. On prend notre lit. Notre bannière de pro pour dire qu'on a défoncé des mecs mais qui respawnent à l'infini. Hop. Et on va tout mettre là. Et j'ai une question. Si je prends la bannière à la main. Attends. Ça serait pas intelligent puisque logiquement si j'ai leur bannière, je suis leur chef. Pourquoi j'entends plus personne? C'est une blague? Ah non, il est là. Mec, j'ai vraiment cru qu'il allait pas me tirer dessus parce que j'avais la bannière. Ok, on va partir, les gars, on récupère tout. Hop, regardez bien, on récupère tout, les gars. Hop, on récupère vraiment tout. Ok, je peux même pas récupérer ça, c'est sérieux. Mec, j'ai mon stop rempli, gros, c'est une blague. Ok, on va se mettre là, regardez, on va se mettre là, on va bouffer. Il est où, mon poulet? Mec, j'ai plus... Ah si, il est là. Il est où notre bouclier? Il est là. Mort. Ok, il est mort. Bon, les gars, on va partir. J'espère que j'ai encore de la place dans mon avant-garde. Et on va partir d'ici, en fait, tout simplement. Hop, ça, je peux récupérer. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ok les gars, on va partir vers là-bas parce qu'on n'a jamais visité et on part simplement d'ici malheureusement. On doit partir. What? Pourquoi lui il a un arc enchanté gros? What? Au revoir. Je me taille. Je vais dans le biome désert. Voilà. Et il faudrait qu'on trouve un village, mais un village de villageois cette fois-ci. Hein. Pas un village de ça en fait. Au revoir. Monde cruel. Je pars. Je pars des villageois. Mec, d'où il me suit, gros? Regarde comme il me dit. Allez, tu me fais poursuivre par un villageois.
À l'aide, par un pilleur, gros. Mais what the fuck, mec, le mec il va me poursuivre jusqu'à quand? Mec, c'est une blague! Regarde-moi ce con! Attends, mec. Attends, par contre, je vais récupérer son arc enchanté, gros. S'il te plaît, je récupère son arc. Eh ben, même pas, gros. Ta mère. Ok, j'ai une arbalète. Il va faire nuit. Ok, on va dormir, les gars. On va dormir au milieu du désert. Voilà. Mais mec, là, c'est la nuit, gros. Voilà, merci. Bon, au revoir, le village de villageois. Hein. En vrai, les gars, je suis triste parce qu'en fait, je crois que les villageois, en fait, ils respawnent à l'infini. En fait, je pense que c'est ça, en fait. Je pensais qu'à chaque fois, il y en avait et voilà. Bon, du coup, les gars, là, on est dans un biome désert, tout simplement. Et on va se promener, on va essayer de voir des choses. Donc là-bas, c'était notre ancienne maison. Mais nous, on veut trouver un village de villageois pour vivre avec les villageois parce qu'on est des villageois, en fait. Voilà, il y a beaucoup de sens. Alors, les gars, aussi, j'aimerais changer de skin. Donc, n'hésitez pas à me dire, les gars, qu'est-ce que vous voulez comme skin. Alors, du coup, est-ce que, logiquement, si on va dans un village de villageois, il n'y a pas un villageois gratuit? Ah, là, il y a un villageois, mais je peux pas le prendre. Là aussi. Là aussi. Là, c'est pas un villageois. Là, il y a... Venez, les gars, on prend l'araignée. Attendez, on va la prendre pour l'instant. Bon, ben voilà, maintenant, on devient une araignée, frérot. Regarde, je suis une araignée. Voilà. Yes. Bon, on arrête les bêtises, les gars. Alors déjà, on va remettre notre stuff en ordre parce que là, il est un peu capoute. Alors ouais, on va plus faire comme ça. L'autre épée en pierre, on va la mettre là. Elle est où notre épée en fer? Mec, me dis pas que j'ai perdu mon épée. Ah non, elle est là. Oh, j'ai eu peur, gros, j'allais faire. Allez, ta mère. Voilà. Ensuite, on va faire ça. On va récupérer l'arbalète parce que je sais que c'est plus fort. Hop. Voilà. Ça va aller, je sais pas où. Là. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Des bâtons, on s'en fout. Non, on va le garder au cas où. Des tulipes. Des pissenlits, pardon, on s'en fout. Ok, alors maintenant on va prendre notre. Je suis allée où? Mec, j'ai perdu tellement de stuff, gros. Voilà, j'ai même plus de hache. Bon, vas-y, c'est bon, ciao. Allez, ciao. Mec, j'ai plus de hache, j'ai plus rien, j'ai plus d'accessoires. D'accessoires, ouais, j'ai accessoires. Bon, par contre, c'est un temple qu'il nous faudrait. Surtout, les gars, n'oubliez jamais de jamais atterrir dans un temple au milieu, car au milieu, il y a quoi? Il y a. Pourquoi c'est taillé là? Ça indique qu'il y a. Non, par contre, il faut vraiment que je bouge, par contre. Oh gros, je vais crever tellement. What? Quoi ça? Oh mec, c'est une fente. C'est très bizarre de dire ça. C'est une fente. Ok, on arrête les bêtises, les gars, et on va continuer. Là, on arrête dans un biome savane. Voilà, avec des petits zèbres, des kirikous. Pourquoi des kirikous? Je sais pas. Alors, du coup, là, on a une vache. Une vache à lait. Donc, on va la buter. Voilà. Ouais, mais de par contre, j'ai récupéré le charbon quand même. Me dis pas que j'ai pas récupéré le charbon. Ah, mais j'ai pas récupéré le charbon, il était resté dans le four. Mais mec, mais ta mère, c'est un colibri, gros. Mais mec, mais gros, mais what the fuck. Mais mec, mais je vais péter, gros, ça va exploser la vie de ma mère, gros, j'en ai marre. Bon, déjà qu'il n'y a pas de village, mec, ils sont où les villages? Ils sont partis en Antarctique ou quoi, frère? Tu vas trouver des villages en Antarctique. Putain, en plus, le pire, c'est que c'est vrai, il y a vraiment des villages dans la neige. Mais mec, mais il n'y en a pas, gros. Me dis pas qu'il n'y a pas de village partout, là. Me dis pas qu'il n'y a pas de village parce qu'il y a les villageois, ils ont pété et du coup, ils sont tous partis en courant. Non, mec, me dis pas ça, gros. Bon, on fait cuire ça. Stop. Bon. Alors, un petit steak. Ralas. Ah, mais d'ailleurs, il y a Néo, les gars, là. Et avec Néo, les gars, tout simplement. Bon, du coup, il a pas Minecraft, donc il va... Ouais, je suis là. Du coup, les gars, il a pas Minecraft, ouais. Du coup, malheureusement, il peut pas faire la vidéo avec nous. Quoi? Du coup, les gars, on va faire cuire le poulet et on va partir, les gars. Hop. Allô, Ruben? Ouais, je suis en vidéo, mec. Mais tu m'entends pas? Genre, mon micro, mec, il est bizarre, par contre. C'est chiant. Ok. Bon bah désolé pour ton micro, mec. Mais c'est pas grave, mec. Attends juste, je vais voir un truc, si tu m'entends pas, c'est normal, ok? Ok, vas-y.
Du coup, les gars, je disais, dommage qu'il a pas pu, qu'il n'a pas Minecraft, parce que ça serait drôle si on fait une aventure tous les deux, les gars, sur Minecraft, ça serait drôle. Mais voilà, malheureusement, il peut pas venir. Du coup, je vais me créer une pioche pour pouvoir récupérer le four, les gars. Hop. Du coup, notre but, c'est de trouver soit un temple, soit un village. Et si on trouve les deux, ben, c'est bien. C'est parfait, même. Mais là, depuis tout à l'heure, on est dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas de temple, hein, malheureusement. Ou de village aussi. Ok, du coup, les gars... Ouais, je vais me faire piquer par le cactus. Là. Bon, du coup, les gars, oui, on avait changé de skin. Ça fait bizarre de voir ce skin parce que l'autre skin monstre, je l'ai depuis... depuis la nuit des temps. Je l'ai mis, je l'ai plus remis, je l'ai plus enlevé depuis je sais pas combien de temps. Bon, alors du coup, il n'y a pas de temple. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gars, regardez, il y a de la pierre taillée. C'est pas normal qu'il y ait de la pierre taillée. La pierre taillée, c'est que les temples qui ont ça. Mais sauf qu'il n'y en a pas. Du coup, c'est pas logique. Ok, on va partir vers là-bas. On va vraiment tout le temps fouiller. On va vraiment rester dans le désert. Malheureusement, là-bas, il y avait... je crois qu'il y avait un village. Hein. J'avais l'air d'avoir vu un village. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est un temple. Vraiment, les gars, si on trouve un temple, on est... Ouais. Si on trouve un temple, les gars, on est vraiment refait. Vous êtes obligés, vous allez dans les commentaires, vous mettez joyeux anniversaire parce que les gars, c'est l'anniversaire de Rumen d'aujourd'hui. Voilà les mecs. Non, en vrai, mec, c'est demain, mais on avoue, mais je le fête aujourd'hui avec mes potes. Ah, mais c'est pas grave, vous allez bombarder cette vidéo de pouces bleus, les mecs. Vous allez vous abonner et vous dites joyeux anniversaire quand même dans les commentaires parce que voilà, c'est photo, c'est voilà quoi, c'est Pikachu. Hein. Alors, on a plus de bouffe, les gars. On va crever. Yes. Ça fait ça, à quoi, un œuf? Ok, ça sert à rien. Mec, y a pas d'animaux où je vais crever comme un crevasse. Voilà, ça veut rien dire, mais on va dire que ça veut dire quelque chose. Bon, mec, ça se fait pas trop quand même. Tu les as bien délogés, hein. De quoi? Ben, ceux qui étaient là, les... Ah oui, mais mec, en fait, là, dans cette vidéo-là que je suis en train de faire, ben, tu vas la voir de toute manière. Ben, en fait, je suis parti parce qu'en fait, ils respawnent à l'infini. Donc, dans tous les cas, tous les jours, ah, il oui, fallait... c'est vrai. Donc, en fait, ça servait un peu à rien de rester. Mec, il y a des grottes ici, vas-y, les gars. Hein. Les gars, on va prendre du charbon parce qu'en fait, comme un con, on est parti et on a oublié le four. Du coup, on n'a plus de charbon, en fait. Alors qu'on en avait masse. C'est dommage, ça, mais il y en a plein, là, donc c'est cool. RIP jaquette les mecs, voilà. Ah oui c'est vrai mec. Mec c'était trop triste. Il est mort oh, mec. En plus le pire c'est que c'est lui qui faisait tout et moi je faisais rien. Gros lui il défonçait tous les mobs. Par contre mec c'est un peu triste quand même parce qu'il se fait tuer. Tu vois gros là mon but là dans cette vidéo c'est de trouver soit un temple soit un village. Et si on trouve un village on est refait parce qu'on aura des potes et tout ça gros. Mais le problème avec les villages c'est que tu vois les villageois là. Ouais. Les ceux que j'ai délogé leur maison. Eh ben des fois ils attaquent les villages et ils volent tout. Et en plus, ils ont des genres de monstres, mais là on les a pas vus, mais en gros ils ont des genres de monstres où tu peux t'asseoir dessus, c'est comme des chevaux, mais ils ont la bouche ouverte et ils pissent. Enfin c'est. Genre c'est dégoûtant quoi. Et on dirait des. Mais mec, tu peux pas des cafards. Le gros golem en forme de villageois, tu peux pas te le créer? Si on peut créer un gros golem, mais il faut des blocs de fer. Et voilà. Ouais, oh les gars, regardez! Mec, j'ai trouvé! Oh, mec! Attends, c'est quoi? Les gars, regardez, il y a une maison. Mec, imagine, c'est un village, gros. Si c'est un village. Oh, on a trouvé un village, les gars. Ok, ok, maximum de GG, les gars, on a trouvé un village, regardez. Oh, what? C'est trop bien, les gars. Mec, on va voler leur bouffe, hein, littéralement. Non, non, je rigole, les gars, on va pas faire ça, ça se fait pas. Les gars, on va pas leur voler, c'est... Mais parce que maintenant, en fait, les gars, on est un villageois. Regardez, les gars, on a trouvé un des villages les plus rares. C'est un village, mais dans la savane. Regardez, les gars, les lits, ils sont oranges. Mec, what, gros? C'est trop bien. J'avais trouvé, hein, personnellement, les mecs, what? Il y a une fournaise, gros. What, mec, c'est quoi les maisons? En fait, je crois que c'est clairement l'Afrique, en fait. C'est les maisons africaines. Clairement. Mec, tu sais, par contre, moi, des fois... Oh, qu'est-ce qu'il y a? What, mec, il a un truc sur la tête, là. Il est trop drôle. Mec, il y avait un villageois. Il a... Ah, mais c'est un mini-village. Il est tout petit, ce village. Oh, oh,
Mec, tu vois ce que je viens de trouver, c'est un village, mais il est énorme, il fait 1000 hectares gros. Il est vraiment énorme et en face, il y a un glacier, mec. Mais c'est quoi cette chatte, les gars? Ouais, mec, c'est grâce à Néo, depuis tout à l'heure, je fais que de mourir. Et Néo, il vient et d'un coup, je trouve un village de malades. Ok. Eh ben voilà, hein, big boss. Mec, what? Mec, elles ont des étages, les maisons, gros, c'est quoi ça? What? Oh non, mais arrête, par contre, là, je veux venir avec toi, par contre, t'es un mec, elle est trop belle, gros. C'est quoi ce village de malade? Attends, mais attends, imagine, gros, il y a... Mec, par contre, les villageois, ils sont trop bizarres, c'est tous des pirates, gros. Oh, il y a un coffre. Oh! Ok, ok, clairement, ça, ça devient ma maison, les gars. Hop, c'est bon. C'est dit. Oh non, celle-là, celle-là, mais, ok. Mais, ok, contre, les gars, ce qu'on va faire... Je suis jamais allé dans un glacier, moi. J'ai jamais vu ça. Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser parce que ça va devenir clairement ça, c'est notre maison à partir de maintenant. Ah non, elle est trop petite. Mec, il y a des coffres de partout, gros. Il y a des coffres de partout, mec, c'est trop bien. Il faut que je m'installe, mec. De quoi? T'as dit quoi? On pouvait avoir un cheval. Oh putain. Ok, on va avoir un cheval, gros. Par contre, si t'as un cheval. Mec, on va l'appeler jaquette numéro 2. Non, je rigole. On va avoir un loup, un cheval, on va avoir plein de trucs, gros. Ok, on va dormir déjà, les gars, pour que ça soit le jour. Directement, et je sais pas si j'arrête la vidéo parce que je crois que ça fait assez longtemps quand même qu'elle dure. What? Ah, mais j'atterris. Ok. Oh, c'est pas grave. Mec, c'est trop bien ma maison, gros. Bon, du coup, les gars, on va directement poser notre stuff. Dis les mecs dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, parce que. Dans le chat. On fait pas ça tous les jours quand même, hein. Hop, et si vous voulez faire des vidéos avec moi, les mecs, ben vous allez vous abonner à ma chaîne, voilà, parce que la chatte que j'ai donnée à Ruben, ben c'est grâce à moi, voilà. Hop, les gars, aussi, on va poser la bannière des villageois, mais en fait, qui m'appelle? What the fuck, mec? Qui m'appelle? Qui? Oh, je suis en vidéo, là, tu veux que je te mange les fesses ou quoi, là? Ça va partir très vite, là, je vais les manger, là. Je vais les croquer, même. Bon, hop, c'est bon. C'était qui, mec? C'était un inconnu, gros. C'était Jaquette. Jaquette, il m'appelait de l'au-delà, il faisait « Oh, mince, mon gros vent, mon pote !» Et là, tu viens de dire que t'es en vidéo. Mais, mec, ouais. Bon, alors, là, mec... Allez, c'est bon, cette bannière, elle va me saouler, gros. Allez, hop, du coup, what? Mec, me dis pas qu'on a perdu ce que... Ah non, elle est là, mon établi, mon bébé, gros. J'ai peur. Quand tu stresses, mec, c'est... Ouais. J'ai envie de pleurer pour toi, tu vois, des fois. Pourquoi? Parce que, genre, tu stresses, mais genre... Mais t'es con, moi. Genre, je perds un truc alors qu'il est à côté de moi, je stresse comme un malade. Les gars, ça vous dit, on crée une maison de villageois, genre en une maison de malade. Genre, venez, les gars. Attendez, là, déjà, on va récupérer tout le pain. Hop. Et la viande aussi. Les coffres, on peut les laisser. Le livre. À mon avis, mec, je vais l'acheter, Minecraft, hein, parce que ça a l'air meilleur. Ah oui, achète-le, mec, c'est vraiment le meilleur jeu au monde, gros. Tu t'amuses comme un malade. C'est le truc que j'aimais bien, mec, en mode créatif dans Ah ouais, le mode créatif, c'est trop bien, mec, c'est le meilleur truc au monde. J'allais dans les villages, je prenais des œufs de zombies, et non, j'ai pas fait ça, arrête de mentir. Ben, je les ai tous butés. Oh, ça, c'est malheureux, par contre. Bon, les gars, du coup, je pense qu'on va arrêter là, les gars, et dans la prochaine vidéo, on va directement visiter tout le village, les gars. Donc, voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, allez. Peace tout le monde.